Bonjour. Scott Campbell dans la série Un pasteur chrétien au Québec. Alors évidemment, depuis à peu près un an, je donne ou je crée des vidéos qui parlent de la présence de Dieu, de mon expérience ici au Québec, de la différence entre le christianisme, d'autres religions et aussi certaines différences à l'intérieur du christianisme. Mais j'ai constaté que je n'avais jamais abordé ce qu'on peut appeler le côté sombre du monde invisible. Alors, je parle précisément de la personne de Satan, de la personne du diable. Alors, aujourd'hui, dans notre monde occidental, des fois, les gens ils vont rire de cette idée-là. Ils vont se moquer de ceux qui disent « Ah, oh, ben, le diable existe ». Et évidemment, il y en a beaucoup de personnes dans le monde occidental qui disent « Non, 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 c'est une création fictive de la religion ». Mais il faut dire que la personne qui prend le plus au sérieux le diable, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même. Alors, comment pourrais-je, moi, ne pas porter attention à l'existence, à la puissance, à la réalité du diable? Jésus lui-même, dans sa propre mission, reconnaît que Satan existe, même un des passages les plus importants et les plus connus par rapport à Jésus et au diable. C'est le passage dans Matthieu 4 ou Luc 4 où Jésus fait face au diable dans le désert. Alors en partant, disons que le diable est un être créé. Il n'est pas l'égal de Dieu. Et cet être créé a plusieurs noms. Satan, c'est un nom tiré de l'hébreu qui veut dire adversaire. Il nous oppose. Il oppose au plan de Dieu. Diable vient du mot grec diabolos, qui veut dire tentateur. Il veut nous faire dévier. Il veut nous attirer chez lui. Il veut nous éloigner de Dieu et de la personne de Jésus-Christ. Alors, ces mots-là décrivent très bien cet être qui est maléfique, qui est vraiment maléfique. Dieu est entièrement bon. Jésus est entièrement bon, sans péché. Le diable est le contraire. Mais comme j'ai dit, le diable n'est pas éternel. Il était un être créé. Alors, le diable, lorsque Jésus est baptisé et lorsque Jésus est oint ou a touché puissamment par le Saint-Esprit après son baptême, Jésus est emmené dans le désert pour livrer bataille au diable et pour être tenté par le diable, pour être éprouvé par le diable. Alors comment le chrétien ne peut-il pas faire face à la réalité de ce diable? Jésus lui-même en parle. Jésus lui-même fait face à lui. Trois fois minimum, le diable, dans cette expérience désertique, trois fois le diable tente Jésus. Si tu es, il questionne l'identité de Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, ou ça peut être aussi traduit, puisque tu es le Fils de Dieu, fais en sorte que ce pain devienne, que ces roches deviennent pain. Nourris Jésus, nourris tes appétits physiques. Oh, nourris à ton ego. Pitche-toi, saute du haut du temple. Et tout le monde va voir comment t'es grand parce que t'es pas blessé. Ou mets-toi à genoux devant moi. Le diable cherche la louange, cherche l'adoration. Jésus, mets-toi à genoux devant moi. Je vais te donner toutes les richesses et les royaumes de la terre. Parce que le diable est le Dieu de ce monde. Jésus dit non, non. Dieu dit, il est écrit. Alors j'aimerais juste nous faire voir que le diable est là.
Nous, les chrétiens, on n'a pas besoin d'en avoir peur. Jésus nous habite, nous avons autorité sur le diable. Mais il faut être à l'affût, par exemple. Il faut être aux aguets pour lui faire face, pour résister, nous soumettre à Dieu. Aller de l'avant avec Jésus. Oui, le diable est réel et il faut le reconnaître.